quel film que ce Brazil dont on vient d'entendre en fait un extrait sonore d'une chanson des années 30 mais adaptée en fait pour ce film de 1985 de Terry Gilliam. On est déjà à notre 51e émission hors série Criterion. Je suis toujours en compagnie de Jade, ça va bien Jade? Oui, ça va super bien. Écoute, j'avais quelques appréhensions à replonger dans Terry Gilliam qu'on a vu là récemment avec Time Bandits. Ouais. On avait déjà vu Brazil avant, j'avais pas un très bon souvenir du film malgré la note que je lui avais mise sur IMDb. Mais bon, on a recommencé, puis j'ai bien hâte de pouvoir t'en jaser. Puis toi, Alex, ça va? Oui, ça va très bien. Puis ça, j'avais hâte de parler de ce film-là, parce que c'est un film qui est très marquant pour moi en tant que jeune cinéphile que je suis. Puis ça tombe bien parce que je me suis procuré pour ma fête, il y a quelques mois déjà, pour ma fête, l'édition Criterion de Brazil, l'édition Blu-ray Criterion, parce que si je ne m'abuse, en fait, l'une des premières éditions Criterion avec plus de suppléments que les autres. Là, on en a vu, il y en avait certains qui avaient pratiquement aucun supplément. Celui-là, en fait, le DVD, quand il est sorti en, je sais pas, 99, quelque chose comme ça, 2000, il y avait 3 disques, donc c'est quand même considérable. Là, maintenant, l'édition Blu-ray fait 2 disques, ce qui est quand même, il y a beaucoup de stock qui rentre sur, d'habitude, c'est 2 DVD, ça équivaut à un Blu-ray, donc là, il y a 2 Blu-ray, puis je suis très satisfait de cet achat, on verra dans les bonus dans quelques instants, en fait, là, c'est vraiment tout un coffret que nous propose Criterion. Magnifique pochette aussi, en tout cas c'est peut-être juste moi là, que ça vient chercher, mais bon. Parlons un peu là, de cette fiche technique de Brazil de Terry Gilliam. On a déjà abordé Terry Gilliam, on peut rappeler peut-être quelques informations. C'est évidemment un membre des Monty Python, bien qu'il était pas très... Il était surtout behind the scenes, puis il s'occupait beaucoup de l'animation, des séquences d'animation. Mais c'est le réalisateur évidemment de 12 Monkeys, des frères Grimm que tu as vu, je crois. Non, je l'ai pas vu. Okay. En fait, je voulais le voir quand j'étais plus jeune parce que je trouvais que c'était quand même intéressant, le genre d'affaire qui m'intéresse beaucoup. Mais je trouvais qu'il avait l'air très sombre. Ouais. Puis je connaissais pas Gilliam, là. J'étais vraiment jeune quand c'est sorti. Mais je l'ai jamais vu encore. Gilliam qui a un style vraiment très particulier, là, à mi-chemin entre la dystopie puis justement un sketch des Monty Python, de l'humour absurde et tout. Donc, en fait, Gilliam a 5 films dans la collection Criterion. Brazil, évidemment, Time Bandits, mais également Fear and Loathing in Las Vegas, Jabberwocky, puis je crois qu'il compte là-dedans, là, mais c'est Life of Brian de Monty Python, mais c'est ça, il est crédité comme réalisateur, mais c'est Terry Jones, en fait, le réalisateur. Baron Munchausen, c'en est pas. C'est le vieux film des années 60, ouais, exactement. Je sais pas quelle langue, polonaise? Tchèque, je crois, donc c'est ça, il y a sûrement d'autres films de Gilliam qui vont sûrement s'ajouter à la collection, peut-être de Don Quixote. Mais bon, donc il y a 5 films, puis son style, c'est ça, a beaucoup été influencé par celui de Fellini dans cette absurdité-là, surtout, puis d'ailleurs, on va le voir, là, surtout Brazil, en fait. Un film de 1985 du Royaume-Uni. Un film, un drame, une comédie noire, un film de science-fiction, beaucoup de genres, très dur à identifier, en fait, comme film. 142 minutes, ça c'est le Director's Cut, donc ça l'édition, en fait, si vous me permettez de l'ouvrir, en fait, il y a certaines éditions Criterion qui sont approuvées par le réalisateur avec un petit sticker puis sa signature, donc ça c'en est une de ces éditions-là. Il y a par exemple The Tree of Life de Terrence Malick qui comporte 50 minutes additionnelles, donc ça on va le voir, il y a eu beaucoup de difficultés au montage, donc ça c'est le Director's Cut qui n'inclut pas nécessairement tous les moments filmés, mais qui est, la version ultime de Gilliam. 1.78:1 comme format en couleur. Le producteur est Arnon Milchan.
qui travaillait, c'est ça, pour la Universal, pour Embassy International Pictures, pardon. Le scénario est de Gilliam, de Tom Stoppard, qui est notamment connu pour le scénario de Shakespeare in Love, donc c'est deux scénarios très différents ici. Puis il y avait, en fait, il y a eu plusieurs conflits, on pourra le voir aussi, mais au niveau du scénario, là, les gens s'entendaient pas trop sur, en tout cas, qui écrit quoi, puis le ton du film aussi. Donc Tom Stoppard, et Charles McCown aussi, qui a travaillé un peu avec Gilliam, notamment sur le Baron Munchausen et sur l'Imaginarium du Docteur Parnassus. Puis les trois ont été nominés pour l'Oscar du meilleur scénario original. La musique est signée de Michael Kamen, qui a deux nominations en carrière, un pour Robin Hood avec Kevin Costner et l'autre avec Don Juan de Marco. Donc un film que j'ai vu il y a quand même longtemps, mais qui était pas si près. Le directeur photo est Roger Pratt, on va pouvoir en parler un peu plus tard, qui a été nominé pour The End of the Affair, mais qui a travaillé aussi sur 12 Monkeys, Chocolat et Harry Potter 4 notamment. Le montage est de Julian Doyle, qui est un fréquent collaborateur de Gilliam aussi sur ses premiers films, on l'a un peu perdu de vue par la suite. Les décors, les très beaux décors, sont faits par Norman Garwood et son équipe évidemment, qui a été nommé pour Brazil ici, mais également pour Glory et pour Hook, donc et voilà. Hein. Et oui. Un autre film avec Bob Hoskins. Mon film phare. Oui, les costumes sont encore de James Acheson, qui ouais. avait fait Time Bandits, qu'on a vu dans Spider-Man, effectivement, qui a 3 Oscars pour aucun des films qu'on a mentionnés, donc pour The Last Emperor, Dangerous Liaison et Restoration. Je sais pas c'est quoi le dernier, en fait, j'ai jamais vu ça, mais en 95, bon. Les effets spéciaux sont de George Gibbs, qui a gagné 2 Oscars pour Indiana Jones 2 et pour Roger Rabbit aussi, puis a été nominé pour Alien 3. Les studios, c'est Embassy International Pictures et Brazil Productions, qui, on se doute, est la compagnie de production de Terry Gilliam. Le budget était de 15 millions, assez respectable pour l'ampleur de ce film-là. Par contre, le box-office est un peu plus décevant, 9,9 millions. On dirait qu'on s'y attendait un peu. Là. Ça, c'est vraiment pas un film pour tout le monde non plus. Là. Donc, mais pourtant, tu sais, il y a quand même, en tout cas, une aura un peu autour. Il s'est formé un petit cult following autour de ce film-là. Le distributeur, c'est la Fox partout, sauf aux États-Unis, où là, c'est Universal. Puis ça va prendre son importance un peu plus tard quand on va parler justement de la sortie de ce film-là. Donc, je mentionne rapidement là, les Oscars. Il a gagné meilleur décor et meilleurs effets spéciaux, puis il a été nommé pour scénario original et... il a été nommé pour scénario original et décor. C'est ça. Puis au BAFTA, c'est là qu'il a gagné décor et effets spéciaux. Pardon, je t'ai perdu. L'édition Criterion, c'est balèze, hein? comme on dit. Il y en a vraiment beaucoup, puis on n'a pas, ça fait pas longtemps qu'on l'a acheté non plus. On en a écouté quelques-uns de ces bonus, mais on les a pas tous vus. Mais il y en a plusieurs que j'ai vraiment le goût de voir, mais ça prend du temps. Puis c'est ça doit être à peu près 5 heures de matériel, là, quelque chose comme ça, en plus du film qui dure déjà 2h30. Donc une restauration du film, très belle restauration d'ailleurs, quand on compare la bande-annonce et la version finale en Blu-ray, ouais. c'est considérable. Il y a les commentaires audio de Terry Gilliam. Il y a What is Brazil, un documentaire sur le tournage du film par Rob Eden. On l'a visionné, celui-là, à peu près 30 minutes. Mm-hmm. Quand même assez intéressant, un peu de longueur, par exemple, notamment sur la question des scénaristes et tout, mais c'est un beau regard, justement, un beau behind the scenes qui nous est légué. Il y a le cahier de production, c'est-à-dire une collection d'entrevues et d'essais vidéo incluant une série d'objets de collection du film appartenant à Gilliam, mais c'est vraiment une série de plein de capsules qui varient entre 10 minutes puis 50 minutes, donc c'est vraiment on les a pas regardées, j'en ai regardé une, mais c'est ça, on n'a pas vu le reste. Il y a The Battle for Brazil, qui est un documentaire sur la sortie tumultueuse du film avec Jack Matthews, qui est dans le fond basé sur son livre. Et il y a Love Conquers All, puis ça c'est peut-être Je pense que c'est peut-être le plus intéressant à regarder, ouais. Là, parce qu'il y a eu une espèce de guerre là, de version quand il est sorti le film, puis ben celui-là c'est finalement une version alternative vraiment plus courte, là, on parle de 94 minutes avec une fin heureuse parce que le film ne finit pas très bien. Puis on a spéculé là, sur qu'est-ce que pourrait être cette fin-là. On n'a pas regardé par contre la version, mais je serais quand même curieuse de la voir, malgré le fait que j'ai vraiment plus apprécié mon second visionnement du film, puis au final, tu sais, je
la première fois, avant de réécouter le film, je me disais, je veux voir cette version-là. Puis là, je la trouve moins nécessaire, peut-être parce que mon deuxième visionnement de Brazil a vraiment surpassé le premier. Puis ça, je suis quand même assez contente là, de... Puis toi aussi. Ouais, je suis content, parce que moi, c'est un de mes films fétiches. Ouais. Donc, je suis très content d'entendre ça. Puis cette version-là aussi est accompagnée, si on veut, de commentaires de l'expert de Brazil, David Morgan. Il y a également la bande-annonce, comme toujours, des sous-titres, ce qui est toujours pratique, et un essai de Jack Matthews et un essai du critique David Sterritt dans justement le booklet du livre. Je me serais attendu à un plus gros livre. On a acheté récemment Hiroshima mon amour, puis c'était un livre de 32 pages. Même chose pour Salo, c'est 60 quelques pages. Salo, il était quelque chose. Ici c'est environ 20 pages mais recto verso, donc une dizaine de pages de contenu. C'est pas nécessairement décevant, mais j'en aurais pris encore des pages et des pages, mais il y a des livres aussi qui ont été écrits sur le film. Mais c'est un beau petit booklet, puis il y a même des petits trucs bonus, là. Il y a les lois justement du ministère de l'Information, puis en tout cas, plein de décrets, entre eux. Mais quelques petits bonus intéressants. Brazil, de quoi ça parle? C'est quand même dur à décrire, donc j'ai pris le résumé de Wikipédia copié-collé. C'est un peu plate, mais c'est vraiment, je crois, la façon la plus concise de résumer le film qui s'en va un peu partout et nulle part à la fois. C'est Sam Lowry, qui est un bureaucrate, en fait, dans un monde rétro-futuriste, donc steampunk, si on veut, totalitaire. Il se contente de son travail et de sa petite vie tranquille, tout en s'échappant en rêve dans un monde de héros romantiques. Son existence satisfaite mais solitaire est compliquée par l'arrestation brutale d'un certain Archibald Buttle en raison d'une erreur administrative. Il tente de réparer cette injustice et doit lutter contre un système extrêmement contrôlé qui le considère de plus en plus comme un dissident. J'ajouterais peut-être à ce résumé-là ces dissidents-là en fait sont des terroristes qui posent des bombes un peu partout dans cette ville imaginaire, cette ville fictive en fait, dont on connaît pas le nom, on sait pas où elle se trouve, donc c'est vraiment une réalité alternative. Terry Gilliam disait entre LA et Belfast. Ouais, exactement. Fait que, y a pas vraiment, je pense que c'est voulu là, de pas le cadrer, c'est quelque chose qui existe nulle part. Puis un peu comme Peter Pan, là, c'est ça, second star to the right and straight until morning, pas un lieu mais un temps en fait, là, c'est ça, c'est Brazil existe partout, nulle part, rêve, en réalité, dans le gouvernement, dans la ville, c'est une belle dystopie, là. On est partout et nulle part à la fois. Exactement. Je sais pas comment ça veut fonctionner. Je sais pas si on parle de nos impressions ou peut-être de ton deuxième visionnement, parce qu'il y a certains éléments qui vont recouper, là. Mais sinon, on a quand même certains points qu'on aimerait aborder. Je sais pas comment tu veux fonctionner. Je pense que les impressions, on peut les faire quand même après certains points. C'est bon. Mais on pourrait le faire, des informations peut-être générales sur le scénario. Scénario très éclectique. Il y a eu quelques problèmes, comme je l'ai mentionné, notamment Gilliam qui a longtemps nié l'apport de Charles Alverson au scénario, qui est d'ailleurs pas crédité, puis ça lui aura coûté une nomination aux Oscars d'une certaine façon, mais plus tard, les archives d'Alverson vont prouver qu'il y avait écrit justement ce scénario-là, mais il y a eu des espèces de conflits internes aussi avec les autres, Tom Stoppard puis Charles McCown, plus avec Stoppard en fait, parce que il y avait vraiment, les deux n'avaient pas la même technique de travail, Gilliam et Stoppard, donc il y en a un qui aimait beaucoup l'humour, je disais justement qu'il aimait beaucoup l'humour, l'humour en fait, dire des jokes, mais Gilliam lui comprenait rarement les jokes qui étaient là-dedans. Il y en a une d'ailleurs qui moi il m'a fait beaucoup rire, et toi tu l'as même pas remarqué. Mais je l'ai pas, perçu en fait, j'étais déconnecté. Gilliam non plus il l'a pas perçu quand il a lu, puis il comprenait pas c'était quoi, qu'est-ce que ça voulait dire cette joke-là et tout. C'est à un moment donné deux personnes, mais en fait c'est Jack Lint et Sam Lowry, donc deux amis qui parlent un peu de leur famille, et puis Jack Lint justement, Sam Lowry lui demande comment est-ce que vont les jumeaux, puis là il répond les triplets, puis là il dit how time flies, comme si avec le temps il y avait de plus en plus d'enfants qui arrivaient, tu sais, c'est le genre d'humour
Ben, pas Monty pince, Python. Ouais, c'est ça. Très absurde, très pince sans rire aussi. Très British comme humour. Toi, je sais que ça te plaît. Toi, je sais que ça te plaît un peu moins, ce type d'humour-là. Ouais, ben c'est ça. Là, je l'ai pas repéré. Ah, ben c'est correct. Mais en général, oui. Mais tu sais, j'ai pas de. On avait écouté quelques Monty Python aussi, puis t'avais moins trippé. Non, c'est ça. Ben, tu sais, c'est hit or miss, là, souvent, le Monty Python. Ouais. C'est un peu l'équivalent des appendices ici au Québec. C'est beaucoup d'humour absurde. Des fois, c'est hilarant. Des fois, on comprend juste pas le niveau. Puis, c'est ça. Donc, ça fait très ça. Moi aussi, c'est de l'humour que j'apprécie beaucoup, mais en des général, fois, ça marche pas. C'est un peu aussi comme il y a plusieurs séries. Là, bon, je sais pas si c'est exactement britannique, là, mais il y a The In-Betweeners que j'ai jamais réussi. Je pense que c'est britannique. J'ai jamais vraiment réussi à adhérer à ça. Derry Girls, je l'ai jamais regardé, mais juste la bande-annonce me fait un peu cringe. Il y en a plein, là, mais. Skins. Skins avec Nicolas Hoult qui est peut-être pas. Ben, il y avait aussi la fille de Game of Thrones dedans, là, fait que c'est probablement British aussi. Mais qui. Tu sais, ça vient pas de temps me chercher ce genre d'affaires-là. Mais moi, c'est ça. Ça vient me chercher. Quand ça fonctionne, ça marche très fort pour moi. Puis des fois, ça me laisse un peu indifférent. Mais bon, ici, je trouve que ça marche bien parce que ça vient rejoindre d'autres thématiques aussi. Toute cette critique de la société-là. Puis en tout cas, il y a beaucoup de choses dont on pourrait aborder. On l'avait mentionné avec Time Bandits aussi. Terry Gilliam a fait un peu une trilogie de l'imaginaire, une trilogie informelle, disons, parce que ça reprend aucun des éléments vraiment, mais c'est une trilogie en fait qui est fondée sur la folie de notre société awkward. Je sais pas c'est quoi le mot awkward en français, étrange, mais moi en tout cas je trouvais ça fitait pas dans la phrase, mais à la folie de notre société bizarre et ordonnée, et le désir de s'en échapper par tous les moyens possibles, et ces moyens c'est l'imagination dans les trois films. Donc il y a les trois films qui font la trilogie, c'est Time Bandits, où là c'est un jeune enfant qui s'évade justement. Brazil, donc là c'est un homme middle-aged, 30-40, quelque chose comme ça. Et l'autre c'est le Baron Munchausen, les aventures du Baron Munchausen, où là c'est une personne âgée qui s'en évade. Mais également, Brazil serait le premier chapitre d'une trilogie de dystopie satirique avec 12 Monkeys et The Zero Theorem qu'on a acheté il n'y a pas très longtemps avec Christoph Waltz. Puis, apparemment qu'il y a plusieurs thématiques similaires entre les deux films, là, puis même la construction, puis le visuel, donc j'ai bien hâte de le voir, même s'il y avait eu des critiques assez mitigées, comme Brazil d'ailleurs à sa sortie. Mais j'ai quand même hâte parce que plus j'écoute Gilliam, plus je me rends compte que il tire vraiment bien profit de la fantaisie que le cinéma permet. Il y a beaucoup de films qui sont très down to earth ou très réalistes, néo-réalisme et tout, mais le cinéma c'est aussi s'évader, c'est une œuvre d'art, puis c'est libre à interprétation. Bon, celui-là il est peut-être moins libre à interprétation que d'autres, là on lui met quelque chose in your face assez évidemment, c'est ça, je trouve que Gilliam utilise bien le média qui est le cinéma, notamment dans l'imaginarium du docteur Parnassus. C'est complètement flyé, là. J'ai plus ou moins aimé, mais c'est des films uniques qu'il réussit à créer, donc juste pour ça, moi je trouve qu'il mérite beaucoup de crédit. L'inspiration aussi, évidemment, du scénario vient du livre de George Orwell, bien que Terry Gilliam mentionne ne l'avoir jamais lu, ou en tout cas à l'époque il ne l'avait pas lu, est écrit en fait vu d'une perspective contemporaine plutôt que dans le futur, donc on n'essaie pas ça de projeter sur la Terre mais en 2000 quelque chose, on donne jamais de date précise, mais on sent que c'est comme un présent alternatif, disons. Tu sais, je pense que ça s'inscrit là-dedans, là. Ça disait dans nos recherches que les décors, les accessoires, les costumes, tout finalement l'environnement du film était vu comme la vision du futur que les gens en 1940 pouvaient avoir de 1980, là. Fait que tu sais, c'est ça, il se place nulle part, encore une fois. Fait que c'est un peu particulier. Puis aussi, je pense que je sais pas si c'était le working title, mais c'était comme 1984 et demi. Qui faisait référence évidemment à 1984. Il y a beaucoup d'échos. Et le demi. Le demi de 1984. 1984 et demi. Ouais. À quoi servait le demi?
À quoi faisait référence le demi? À 8,5. Eh oui, tout à fait, à 8,5. On pourra en parler dans les références, mais c'est ça, on l'a mentionné, Federico Fellini a eu une influence. Puis il y a des moments justement qui paient hommage à 8,5 de Fellini, qu'on n'a pas vu, mais qu'on possède. Donc on va y arriver, je pense, au numéro 140. Là. Donc restez avec nous. Puis le film s'inscrit en fait dans un courant de drame absurde, un genre que revendique beaucoup le co-scénariste Tom Stoppard, effectivement. Ça décrit quand même assez bien... assez bien le tout. Puis le titre, en fait, Brazil, qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'il y a eu beaucoup de débats, puis au final, personne ne le sait vraiment. Bon, Gilliam est arrivé avec une certaine réponse, mais surtout, ça fait référence à la chanson du même titre qu'on a entendue en début d'émission, Derry Barroso de 1939, mais qui s'appelle en fait Aquarela do Brasil. La chanson agit un peu dans le film, d'ailleurs, comme un leitmotiv, ou du moins, tous les éléments de la chanson sont repris à un moment ou à un autre de la trame sonore du film. Là, puis une trame sonore quand même assez bien. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Là, ça contraste beaucoup avec l'ambiance du film et tout, mais ça... Je trouve que ça englobe bien cet univers steampunk là, qui est très bien créé. On pourrait parler peut-être justement des thématiques qui sont explorées dans Brazil, notamment évidemment la grosse critique de la bureaucratie puis de la société de consommation, mais surtout d'information. Oui, ben en fait, le film là, essentiellement, c'est ça. C'est qu'il y a une erreur administrative qui fait en sorte que le mauvais homme est amené à être interrogé et éventuellement tué par le ministère, qui est comme le gouvernement. Mais le ministère de l'information. Le ministère de la magie, là, pour vrai, ça se ressemble beaucoup. Donc là, c'est ça, Sam va... Ben, la voisine d'en haut de cet appartement-là va partir en guerre contre l'erreur. Sam la voit comme un espèce de coup de foudre parce qu'elle ressemble beaucoup à la fille de ses rêves. Littéralement, la fille de ses rêves. C'est ça, donc on est là... À peu près tout le monde travaille pour ce ministère-là. Les gens sont des numéros, puis vraiment, ils ont des badges avec des numéros. Ils ont des bureaux avec leur numéro décrit sur leur porte. C'est des petits bureaux dont le meuble, le bureau en tant que tel, est partagé entre deux espaces de travail là, avec un mur. Là, donc les gens peuvent décider qu'ils veulent plus de meubles, bureaux. En tout cas, c'est assez particulier. C'est des petits, petits espaces. Il n'y a rien qui est vraiment personnel. Les appartements sont weird aussi. Il y a beaucoup de technologie dans l'appart. Mais de tuyaux aussi. Il y a vraiment beaucoup de vents, là, dans le fond, de tuyaux. De plein de choses, en fait. Là, c'est des tuyaux aussi de fosses septiques. tuyaux de plein de choses. Puis, c'est quand on ouvre les murs, il y a vraiment plein de tuyaux là-dedans. Puis là, il y a une belle scène avec Bob Hoskins et plein de tuyaux qui rappellent assurément Mario Bros. Mais d'ailleurs, j'avais vu que l'univers avait été un peu repris dans Mario Bros. Ben, c'est possible, oui. C'est assez bleu, Mario Bros, quand même. Là, c'est vraiment. Évidemment. Ouais. Donc, c'est ça. Puis, il y a comme une espèce de distinction importante dans le film entre la haute société et les gens qui travaillent au ministère ou les pauvres. Donc, c'est vraiment riche contre pauvre, pas mal tout le temps dans le film. Donc, on a les hauts placés au ministère, évidemment, mais la mère de Sam, plus particulièrement, et sa meilleure amie, dans le fond, là, qui sont des femmes de la haute société qui vont manger dans des restaurants qui ont pas rapport. Là. On se fait servir, on dit que c'est de la bouffe vraiment bonne, mais on nous montre des super belles photos, puis au final, c'est des boulettes. C'est comme la cuisine moléculaire, là. C'est ça. On dit que ça goûte quelque chose, mais ça ressemble pas à ce quelque chose-là. Non, mais en même temps, c'est j'ai peur purée, un peu. Là, c'est des boulettes, là, genre de patates de cafétéria d'école, mais c'est du pâté chinois vraiment smushy. Là. Ouais. C'est un peu dégueulasse quand même, puis c'est supposé être très très bon. Je pense que ça fait référence aussi, ça fait longtemps que j'ai pas lu 1984, mais il y a le gin de la victoire, il me semble, dans 1984, qui est comme un peu, mais pas un placebo, mais comme quelque chose comme ça là aussi. Ça faisait référence à ça, mais ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps que je l'ai lu aussi. C'était une époque où on pouvait aller en Chine quand on a lu ça, donc... Mais il y a tout cet univers-là qui est vraiment coloré. On est justement dans des grands restaurants, on magasine, on se fait faire beaucoup de chirurgie esthétique aussi. Et il y a l'autre monde où c'est vraiment gris, terne, esthétique, film noir, beaucoup d'imperméables, beaucoup de... Tu sais, même Jill
Jill son appartement, la scène d'ouverture, Jill est dans le bain, c'est dégueulasse, c'est grise. Pour vrai, là. Puis elle écrase sa cigarette dans son eau de bain. C'est pas propre, là. C'est pas plaisant. Puis l'appart est dégueu aussi, là. Il y a comme... Ouais. Il y a vraiment une grande disparité entre ces deux mondes-là, dans le fond, qui... se rend compte qu'il clash avec le terrorisme, qu'on sait jamais d'où ça vient finalement, mais peut-être Jill pose des bombes, on le sait pas trop. Puis c'est ça, c'est un peu, y a une scène dans le restaurant justement où ça explose, puis les gens sont secoués un peu, mais continuent de manger, l'orchestre continue à jouer. Le maître d', je sais pas comment le dire, le maître d'. C'est un maître d'hôtel dans ouais, le fond. Mais ça s'appelle maître d', apostrophe, mais ça aussi il va poser un paravent autour de la table pour pas qu'on voit trop la désolation arrière. Mais surtout au niveau de la bureaucratie là, je crois que c'est surtout un film qui montre, mais bureaucratie et technologie ou en tout cas l'idée du progrès, c'est un film je pense qui nous fait réfléchir un peu sur. Oui, cette idée du progrès-là est bonne, mais des fois, le progrès, c'est pas la meilleure chose nécessairement à adopter. On le voit, là, il y a beaucoup de trucs, pas nécessairement avant-gardistes, mais en tout cas des inventions qui font du sens dans l'univers du film, mais qui sont contre-productives. Mais je disais ça tantôt, l'appartement justement de Sam, tu sais, en scène à peu près d'ouverture, Sam est en retard au travail parce que son cadran l'a pas réveillé. Et puis là, on se rend compte que tout son appartement est vraiment réglé par des inventions, ou pas, ou en tout cas, une technologie qui semble avoir sa place. Comme là, dans Back to the Future, là, quand Doc, il se fait... Oui, exactement, ben la bouffe du chien, puis tout ça. C'est un peu le même principe, en fait, c'est ça. Sam aurait dû se faire réveiller par un espèce de système de téléphone ou un peu bizarre là. Puis après ça, son bouchon de bain se place, sa douche coule, son café coule à moitié dans sa tasse, à moitié sur ses toasts, les toasts sont brûlés, tout est comme, mais tout est fait tout seul en fait. Puis Sam habite là-dedans, puis il fait juste le vivre finalement. Puis concernant la bureaucratie, il y a aussi le fait que n'importe quelle opération en fait, dans le film, les conduits d'aération marchent plus chez Sam, donc il appelle le ministère, une branche quelconque du ministère qui vient réparer ça. Ça leur prend un document très précisément, un peu comme dans La Maison des Fous là, de Astérix. Ouais, je l'ai pas lu, mais le procès de Kafka, là, je sais pas trop. Là. Je sais pas. Mais ça aussi, c'est sur la lourdeur bureaucratique beaucoup. Là. Mais c'est comment ça peut stagner justement une situation. Mais c'est ça, oui. Puis dans le film, on le voit que c'est stressant là, quand ils ont pas le document. C'est pas le fun. Puis c'est ça, tout est un peu bizarre. Là. Je sais pas. Tout vient de la même place. Puis le ministère, il fait peur quand même. Puis mais pour donner d'autres informations, tu parlais du téléphone, mais c'est ça, toutes les inventions ont comme un bon côté puis un mauvais côté, ou en tout cas sont contre-productives. Il y a par exemple, tout le monde a des télévisions portatives, ou en tout cas des écrans d'ordinateur, mais c'est minuscule. L'écran est minuscule, mais on a mis une grosse loupe devant pour que ça fasse plus gros, plutôt que de juste penser à... faire un écran beaucoup plus gros. Donc c'est très contre-productif. Même chose pour le téléphone. Le téléphone, c'est comme un amalgame entre un téléphone moderne à l'époque là, donc un téléphone à roulette, ou en tout cas avec numéro, mais il y a des faut rentrer comme des pins dans des trous de téléphoniste, comme de téléphoniste des années 30-40. Donc c'est vraiment très contre-productif comme progrès, comme idée du progrès. Mais ce que j'aime moi, puis ça a été la même situation disons dans Alphaville par exemple, c'est qu'on nous plonge dans cet univers-là, mais on nous en donne pas les clés. On nous l'explique pas, non. Puis moi, c'est ce que j'apprécie dans un film de ce genre-là. Toi, je sais que c'est moins quelque chose qui te fait triper. Là. Ben oui et non, tu sais, dans les dystopies, en même temps, c'est ça, j'aime vraiment beaucoup les univers dystopiques. Celui-là, il est particulièrement réussi, parce que non, on nous explique jamais rien, mais on prend tout pour acquis, on l'accepte, puis il faut juste essayer de déchiffrer ce qui se passe, puis on comprend pas, mais au final, je comprends l'espèce de rapprochement entre 1984 puis Brésil, parce que on est dans la même chose en fait là. On est dans un personnage qui essaye de se révolter, qui réussit pas vraiment, qui est contraint à vivre l'univers dans lequel il est, puis ça finit à peu près de la même façon aussi, sans trop spoiler là, mais ça finit pas bien, bon, non, disons ça comme ça. Ça dépend quelle version vous écoutez. Ouais, ben c'est ça. Puis tu sais, c'est
C'est juste, le ministère prend toute la place, on n'explique pas vraiment pourquoi les gens l'acceptent ou peu importe, puis ni comment on est arrivé là, parce qu'on sait pas quand ça se passe, mais c'est vraiment particulier, puis j'avais oublié un petit point par rapport au ministère. Bon, ils font l'erreur là, sur Bottle Tuttle. Erreur qui est causée en fait par une mouche là, qui est abattue, puis qui tombe justement dans la machine à écrire qui s'occupe de rédiger justement les avis de recherche ou ces trucs-là, les avis de convocation plutôt. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, ça vient faire une tâche, puis on va chercher finalement la mauvaise personne. Et oui, puis on ose faire payer sa femme pour son arrestation, pour son interrogatoire et sa mort, parce que c'est des tâches administratives, puis il faut faire payer quelqu'un pour ça. Donc, malgré que ce soit leur erreur, qu'ils admettront jamais non plus, c'est ça. Tu sais, il faut comme envoyer des factures aux gens qui viennent de perdre la famille. Tu sais, c'est un peu... c'est wicked comme... C'est wicked, puis tu sais, c'est toujours un peu avec un ton semi-comique ou en tout cas de comédie noire. C'est par exemple, parce qu'évidemment, il irrupte vraiment dans la pièce pour aller capturer le mari, Bottle. Et puis après ça, avec sa femme qui est en panique, il dit « Ah, signe ici, signe là. » Voici ton reçu pour ton mari, puis voici mon reçu pour ton reçu. Puis c'est ça, ça finit là. Puis après ça, évidemment, il y a erreur sur personne, puis il y a d'autres choses. Mais tu sais, ça, c'est toujours un peu... c'est très, très comique. Là. Ça me fait penser un peu, à la limite, au ton de Jojo Rabbit ou je sais pas trop quoi. Tu sais, quand il y a Stephen Merchant là, qui comme... tout le monde se fait Heil Hitler ou peu importe dans une pièce. En tout cas, c'est comme un ton comique, mais sur de quoi de très sérieux puis de très dark. C'est vraiment particulier, puis c'est un ton très dur à atteindre, je crois. Mais ici, je pense qu'ils le font très bien. Ça fonctionne bien. Puis même chose, cette bureaucratie-là aussi est très... cette fonction... public, ministère, en tout cas, c'est très, pas nécessairement la loi du moindre effort, mais c'est ça, tout le monde tente de se déresponsabiliser, puis tout le monde veut pas être accountable, je sais pas c'est quoi. Tenu responsable. Ouais, là, exactement. Ouais. Notamment monsieur, Mr. Kurtz, Kurtzman, qui est joué par Ian Holm, très bon Ian Holm encore une fois, qui est... c'est une situation qu'on peut reconnaître un peu tout le temps quand on a un patron qui a l'air moins compétent que nous, on l'est vraiment. Là. Donc c'est un patron qui veut pas avoir à gérer, puis quand on lui dit, ah, tu sais, pour régler telle affaire, faudrait faire ça, puis il est comme, ah... Ok, je sais pas trop quoi faire. Puis là, finalement, c'est nous qui devons le faire ou des trucs comme ça. Donc, c'est assez simple pour Sam aussi. Ouais, là, ça prend deux secondes, renvoyer le chèque. Sam est très allumé. Là, il clash un peu avec le reste des personnages du film pour être très allumé, mais en même temps, qu'il cherche pas tant que ça à se sortir de cette situation jusqu'à temps qu'il rencontre la fille. Là, non, il cherche pas à s'en sortir. Par contre, il s'en sort à chaque nuit. Tu sais, dans ses rêves où c'est un peu la seule façon qu'il y a d'être heureux, de vivre ses rêves vraiment dans le fond. Bon, ça a l'air un peu cheesy comment je le dis, mais c'est ça pareil. Tu sais, il y a une scène, ça ressemble à Minecraft où il y a des buildings pas possibles qui sortent d'un champ, vraiment comme Minecraft, c'est des carrés puis ça sort, puis tu sais, ça c'est une belle opposition justement entre son monde rêvé de prairies puis de bucolie, puis après ça on a de l'autre côté, puis là c'est gris, c'est sombre, c'est des tours, ça a des hauteurs pas possibles, puis on est comme dans l'espèce de gouvernement là, cette machine là qui un très gros plus, très gros contraste justement entre la réalité puis le rêve, donc l'imaginaire encore une fois, on le voit aussi, il est pas très il peut être quand même gris son imaginaire, mais on le voit notamment voler, mais on le voit aussi se battre avec un samouraï ou en tout cas une espèce de monstre pour sauver justement sa fameuse dulcinée. On va y revenir en fin d'émission là sur ce samouraï là justement, mais c'est ça, cette bureaucratie là puis cette société, toute cette étatisation, bureaucratisation de l'État là, qui fait que tu avais amené le parallèle de la maison des fous, là, que ça s'applique très bien là-dessus. Pour le formulaire. Ouais, c'est pour le formulaire, mais également quand il est promu là, justement avec son bureau, puis que là, son patron qui se promène un peu partout dans des couloirs sans fin, puis il y a toujours du monde qui crie un peu partout, puis qui pose des questions. Oui, dis oui, signe ça, non, puis on n'entend jamais les questions, on fait juste. Puis ils sont comme 15 en arrière de lui, puis
se promène dans un minuscule corridor. C'est vraiment ouais. particulier, là. Non, c'est ça, c'est très particulier. La société de consommation, on dirait que quand j'étais jeune, je pensais que ça critiquait justement la société de consommation, puis ça le fait moins que dans mes souvenirs, même si on l'avait revu il n'y a pas si longtemps que ça, là. Je pense que Time Bandits le fait plus ouais. Pour la société de consommation avec les parents, là, puis ouais. l'espèce de l'innocence de l'enfance ouais. qui va finalement aller voyager dans le temps avec des nains. Ouais. C'est vraiment, c'est ça, la lourdeur administrative, puis l'espèce de... c'est ça, on peut pas s'en sortir, personne ne veut être tenu responsable. C'est un peu un totalitarisme, là. C'est surtout un espèce d'endoctrinement qui fait en sorte que les gens ont pas d'initiative. Mm-hmm. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, Laurie, justement, dans le film, lui, il a de l'initiative, puis c'est pour ça qu'il, quand il voit que personne ne veut régler la situation, ben, il se dit, OK, je vais aller porter le chèque à madame, ou tu sais, peu importe. Donc, lui, il a de l'initiative, mais la plupart des gens, ils se disent, ah, ben, non, ça, c'est pas de mon département, c'est pas moi qui peux faire ça, ou tu sais, c'est ça, on veut vraiment, c'est pas la loi du moindre effort nécessairement, mais c'est que tout le monde est vraiment campé dans une petite place, un mm-hmm. peu comme si on a des oreilles, des œillères. Œillères, ouais, pas des oreillettes, mais des œillères, puis on reste dans notre petite étiquette, puis on veut pas en sortir sous peine de peut-être être jugé un terroriste, peut-être être justement. Je sais pas, tu sais, de se faire remettre à sa place, parce que c'est ça, c'est un monde assez particulier où les terroristes, ben, où le ministère de l'Information peut intervenir à n'importe quel moment, interroger des patients avec des méthodes plus ou moins conventionnelles, puis qui mènent souvent, en fait, à la mort ou des trucs comme ça. Donc, c'est pas très, très jojo comme la thématique, ouais. mais c'est. En tout cas, moi, je trouve ça magnifique comme, mm-hmm. comme film, comme critique. On pourrait parler justement de cet esthétisme-là aussi, qui est, ouais. on en a déjà un peu parlé, mais mm-hmm. c'est très expressionnisme allemand. Là. Il y a beaucoup de références, évidemment, à Metropolis, ouais. que tu n'as pas vu, mais qui est. C'est ça, c'est comme l'industrie à son sommet, puis comme des buildings dont on voit même pas le sommet, puis En fait, autour du ministère, il y avait beaucoup de force perspective là, pour montrer l'étendue des corridors, puis peut-être en hauteur aussi, mais c'est justement des longues tours qui finissent plus de finir, c'est des longs corridors, c'est des le building là, de l'appartement de Sam, ouais. que ça paraît que c'est du carton quand on est à l'extérieur, là, on le sait qu'on est sur un studio, mais c'est... situé, tu sais, il y a les gars du gouvernement qui viennent, puis après ça, on a une scène à l'extérieur de l'appart, puis pour vrai, je ne comprends pas comment ils ont réussi à y aller, parce qu'il y a comme un petit balcon, mais il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas d'accès, en fait. On est comme dans une espèce de ville où tous les apparts donnent à l'extérieur. C'est vraiment... J'ai de la misère à l'expliquer, mais quand on le voit, je pense qu'on comprend. Puis... il y a le vrai Bottle Tattle là, qui est Robert De Niro qui vient là-dedans en escalade là en rappel faire ses réparations puis repartir puis crime c'est toute une chute qui fait pour vrai c'est haut ça finit plus c'est du carton c'est du tu sais c'est le fun comme esthétique ça peut rappeler un peu Tim Burton les Batman d'ailleurs Roger Pratt qui est le directeur photo là sur les deux films puis si on avait Harry Potter 5, j'aurais dit le ministère c'est honnêtement la même chose. Harry Potter 4, je peux pas vraiment l'appliquer à ça, mais on comprend là. Donc c'est un art déco, mais futur, mais pas trop loin dans le futur. Rétro-futuriste. Ça ressemble un peu à 1984 dans le roman, évidemment, mais à Blade Runner, l'appartement du protagoniste. On est dans l'esthétique film noir pour les costumes, expressionnisme allemand pour les décors, c'est vraiment gris. Puis la salle d'interrogatoire, j'ai pas trouvé l'information finalement, mais ça ressemble vraiment à Cérébro. C'est vraiment une passerelle, puis au centre... Dans X-Men. Oui. Au centre, il y a l'espèce de plateforme ronde, puis l'espèce de comme boule. C'est l'intérieur d'une cheminée. Ben, tu sais de quoi je parle, Homer Simpson, ces affaires-là. Centrale nucléaire. Ah oui! Oui, effectivement, mais c'est ça, c'est ouvert là, dans le film. Dans X-Men, non, mais je suis pas mal certaine qu'ils ont peut-être pris le même décor, parce que pour vrai, c'est pareil. Mais bon, c'est ça, fait que esthétique particulière, encore une fois, qui cadre tout à fait là, avec le feel du film. Donc voilà, on pourrait peut-être ben, enchaîner... Cette esthétique-là, mais c'est ça, ces grands décors, beaucoup d'ombre aussi, qui rappellent un film noir, malgré cet expressionnisme allemand-là. Il y a des
scènes où il entre justement dans un grand hall d'entrée, puis la lumière est de dos à lui, donc on voit son ombre qui s'étire comme ça se peut pas. Donc ça fait évidemment référence à plusieurs films de Fritz Lang, M aussi, il y en a quand même beaucoup de jeux d'ombre comme ça. Ouais. Mais c'est ça, ces décors-là sont très, très, très soignés, puis c'est surtout en fait toute la... Le souci du détail, moi, qui m'impressionne, c'est qu'il y a plein de posters de propagande un peu partout qu'on n'a pas vraiment le temps de voir, à moins que ce soit la deuxième, troisième, quatrième fois qu'on l'écoute. Même chose quand ils s'en vont en campagne, là, entre guillemets, où ils suivent la route, puis c'est juste des billboards empilés, puis là, quand la caméra recule, ben, il y a de la nature l'autre bord de ça, mais c'est une route, justement, qui a juste de la publicité pour se rendre ou quitter, en fait, Brésil. Donc, ben, très... tout à fait. Puis, écoute, tu sais, j'ai pas mal fait le tour, fait qu'on pourrait peut-être passer à notre dernier thème, là, qui était toute l'histoire de la censure là, qu'il y avait eu. Ouais, ben, en fait, avant, peut-être que je mentionnerai un peu la distribution, parce que c'est une belle brochette d'acteurs et d'actrices. Surtout un Jonathan Pryce, comme on n'est pas tant habitué de le voir, là, on dirait jeune. Que. Jeune, mais en tout cas, on le voit plus tant que ça, malgré qu'il a été nominé cette année, ben, l'année dernière, en fait, aux Oscars. Jonathan Pryce, qui joue justement Sam Laurie. Et Price considère en fait ce rôle comme un sommet dans sa carrière. Puis Tom Cruise était considéré pour le rôle. Finalement, c'est pas lui qui... Ben finalement, il a pas testé ça. Il tentait pas de le faire. Donc tant mieux. Parce que je trouve que Sam Laurie, il me rappelle un peu François Letourneau là, dans toutes ces séries-là. Là, un espèce de personnage un peu nonchalant. Puis un peu... je sais pas. Pas asocial, mais très... particulier, disons. Mm-hmm. Jill Layton, c'est la protagoniste féminine du film, en fait, qui est jouée par Kim Grist. Gilliam a été tellement insatisfait de sa performance qu'il a décidé de couper plusieurs de ses scènes. Ellen Barkin, mais aussi Jamie Lee Curtis, Rebecca De Mornay et Madonna étaient pressentis pour jouer ce rôle-là. Plusieurs des scènes coupées, d'ailleurs, se retrouvent dans le montage de Joyeux, justement, de Brazil, qu'il va falloir écouter éventuellement. Robert De Niro joue un tout petit rôle, en fait, il joue Archibald Tuttle qui voulait jouer d'abord le rôle de Jack Lint. Jack Lint, là, qui est joué par Michael Palin, qui est un ancien des Monty Python aussi. Mais c'est ça, il n'a pas pu le jouer parce que Gilliam l'avait promis à Michael Palin. Donc, il a décidé de lui donner ce petit rôle-là, qui est quand même assez important, disons. Il est plus important à l'extérieur de l'écran qu'à l'intérieur. Mais là, c'est le seul ami que Sam a dans le film. Allié. Mais c'est ça, il s'est contenté de ce petit rôle-là. Mais apparemment, qui était très chiant pendant le tournage parce que, on sait, Robert De Niro, méthode Stanislavski, donc méthode acting et tout. Donc, il reprenait beaucoup de prises. Puis, en tout cas, il était... ben, son personnage est quand même un peu bizarre là, dans le film, là, une espèce de, je sais pas un redneck, là, mais un préparateur c'est ça, tu sais, limite terroriste, une certaine masque révolutionnaire, donc c'est ça, tout le monde n'a pas aimé leur expérience de travailler avec Robert De Niro, mais De Niro a dit lui qu'il serait prêt à retravailler avec Gilliam, il n'y a pas eu de problème, donc ça c'est du De Niro à son sommet dans les années 80, il avait déjà ses deux Oscars, donc c'est ça, c'est juste pour mettre un nom sur le sur l'affiche qui est là, parce qui joue un tout petit rôle. Ida Laurie, donc la mère de Sam, est jouée par Catherine Hellman, qui porte beaucoup de maquillage aussi, des maquillages différents de scène en scène, disons. Elle jouait aussi la femme de l'ogre dans Time Bandits. Puis d'ailleurs, l'ogre de Time Bandits joue aussi là-dedans. Donc il joue le personnage de Eugene Elpman, qui est l'espèce de premier ministre, en tout cas c'est pas trop clair, mais il est en chaise roulante. Puis c'est joué par Peter Vaughan. Vince Vaughn, ça s'écrit pas de même. Mais en tout cas, ça s'écrit de même? Non, c'est ça. Je pense que c'est Vaughn, qui jouait Master Aemon dans Game of Thrones. Mais il joue un tout petit rôle ici. Et sinon, on l'a mentionné, Kurtzman est joué par Ian Holm, toujours bon. Spore, Spore est... j'ai pas noté l'autre. C'est bizarre, mais en tout cas, les deux réparateurs qui sont joués par Bob Hoskins et l'autre personne que je n'ai pas noté, malheureusement. Jack Lint, on l'a mentionné. Mr. Warren est joué par Ian Richardson, qui joue aussi dans Time Bandits. Donc, on voit qu'il aime réutiliser des personnages, tout comme Jim Broadbent, qui joue un minuscule rôle ici. Le chirurgien plastique. Exactement.
Comparable. Mais comparable à son rôle aussi dans Time Bandits, d'annonceur de jeux de télévision. Contributeur de la consommation, disons ça comme ça. Exactement, mais une très belle distribution, mais c'est surtout Jonathan Pryce qui brille vraiment. Là. Moi, c'est un acteur que j'aime bien, mais qu'on voit pas beaucoup. T'sais, il jouait dans Game of Thrones aussi, il jouait dans les Pirates des Caraïbes, mais t'sais, on le voit pas tant que ça. Il jouait la mère d'Elizabeth Swann. Voilà. Mais... Il jouait quoi? La mère le père d'Elizabeth Swann. mais c'est ça, on peut terminer peut-être avec on pourra donner nos impressions après là, mais sur la sortie très difficile du film. C'est pas nécessairement de la censure, mais un peu, on pourrait le voir comme ça. En fait, la version originale de Gilliam dure 142 minutes et se termine sur une note sombre, donc c'est la version que nous avons visionnée. Cette version est sortie en Europe sans problème par la Fox, mais aux États-Unis, c'est ça, c'était Universal qui avait les droits, puis eux autres, ils ont décidé de s'opposer à ce montage-là, puis d'en préparer un autre sans le dire à Gilliam, en fait, ce qui a donné justement la version Love Conquers All. Donc, c'est Sid Sheinberg qui, justement, était le chef de Universal, qui a insisté sur un nouveau montage qui donnerait une fin joyeuse et a voulu tester justement ces deux versions-là pour voir laquelle plairait le plus au public. Puis, voyant que... en tout cas, Gilliam se demandait pourquoi est-ce que Universal tardait à sortir son film et tout. Il comprenait tranquillement que comme il aimait pas le montage final et tout, Gilliam a décidé de faire paraître une publicité dans Variety qui demandait à Sheinberg en fait de sortir son film selon son montage initial. Gilliam a également fait des visionnements privés sans le dire au studio pour des critiques et des écoles en fait à l'université, je crois en Californie, quelque chose comme ça. Le film va d'ailleurs, parce que plusieurs critiques l'ont vu, donc il va se mériter les prix de meilleur film, meilleur scénario et meilleur réalisateur au Los Angeles Film Critic Association, alors que Out of Africa, qui était un autre film de Universal, était pressenti pour remporter en fait ces prix-là. Et finalement, voyant que il y a beaucoup de gens qui avaient vu ce montage-là, Universal n'a pas eu le choix que de sortir cette version-là. Une version quand même légèrement altérée de 132 minutes, qui a été toutefois supervisée par Terry Gilliam. Donc ça fait beaucoup de versions du film, il n'y a pas la version de 132 minutes dans l'édition Criterion, mais je serais quand même curieux de la voir éventuellement. C'est un film que je m'étonne jamais de l'écouter, mais on peut justement parler de nos impressions. Je pourrais parler un peu plus de mon amour pour ce film-là. Ouais, ben écoute, je vais le faire rapidement parce que j'ai pu le dire là, un peu partout dans l'émission. La première fois qu'on l'a regardé, c'était peut-être le premier... Non, on avait déjà regardé 12 Monkeys avant, mais c'était un... En tout cas, tu sais, je suis pas trop familière avec l'univers de Gilliam. Ça frappe quand même comme film. J'avais pas un bon souvenir. Je trouvais que c'était, justement, là, difficile à comprendre, un peu trop éclaté. J'aime pas quand les choses sont énervées, là, les films, tout ça, les personnages. J'aime pas quand ils ont pas de motivation claire, puis tout ça. Dans le film, on a aucune clé, là, tu sais. Cherchez-en pas, il en existe pas. Deuxième visionnement, avec un peu d'appréhension, on replonge dedans, puis tabarouette, je l'ai vraiment aimé, comme... Puis étonnamment, je lui avais donné la note de 7 la première fois, malgré le fait que je l'avais trouvé vraiment moyen, là. Puis normalement, j'aurais pu y mettre comme un 4, là, parce que je l'avais trouvé vraiment pas le fun, tu sais. Puis finalement, le deuxième visionnement, j'ai vraiment aimé ça, je connais un peu plus Gilliam, mais Time Bandits me fait pas capoter non plus. Non. Par contre, Brazil est vraiment bon. L'univers est super le fun. Il y a peut-être juste la fin, là. Bon, il y a un moment où Sam pis Jill font l'amour, puis après ça, là, tout éclate de partout, puis à partir de ce moment-là, je suis peut-être vraiment moins dedans, là. Mais tout le reste du film est quand même vraiment bien fait, là, puis j'ai une meilleure appréciation de ce deuxième visionnement-là que j'avais là, la première fois. Donc, je dirais pas ma note tout de suite, non. Je vais te laisser y aller. C'est ça, moi, c'est un film qui m'a toujours... je me souviens pas c'était quand exactement, là, mais quand on était au cégep, il y avait une espèce de club vidéo dans le cégep qui s'appelait Les Petites Vues, et puis j'avais un cours justement sur le cinéma, puis j'allais une fois de temps en temps voir ce petit club vidéo là. C'est un club très c'était pas un Vidéotron, là, c'était des films d'auteurs, c'était des tenu films... par une des profs de cinéma que j'ai eu aussi, Sylvie, exactement. Puis il y avait beaucoup de Criterion, je savais pas c'était quoi à l'époque Criterion, mais il y en avait beaucoup justement, puis la pochette du film m'intriguait toujours. Je le voyais aussi au Vidéotron à Valleyfield, puis
puis j'étais comme, à un moment donné, il va falloir que je l'écoute. Puis je l'ai écouté, je pense, peut-être en 2011, quelque chose comme ça. Puis ça m'avait vraiment acheté à terre. Moi, j'aime beaucoup les films de science-fiction. Puis celui-là, c'en est un, mais c'est comique. Je connaissais pas tant les Monty Python, je les connaissais de nom, mais j'avais, je pense que j'avais vu Holy Grail, puis j'avais pas trippé plus que ça. Donc, ça a vraiment été une révélation pour moi. J'ai adoré ce film-là. Puis ça traitait de plein de sujets, tu sais, j'étais quand même jeune, 18-19 ans, puis ça m'avait beaucoup marqué. Puis c'est, je crois, ce qui a peut-être... puis ça me faisait penser évidemment à Batman, qui est un de mes films préférés là, de Tim Burton, mais de tous les temps, parce que je l'écoutais beaucoup. C'est ça, on est très influençable quand on est jeune, donc on se souvient beaucoup plus des trucs, des films qu'on regarde quand on est jeune, puis de leur impact qu'ils font sur nous, que des films plus récents, par exemple. Et puis ça, ben évidemment, je retrouvais plusieurs éléments que j'appréciais dans Batman, les décors en carton, toute cette espèce de... Mais c'est le même directeur photo. Ben c'est ça, mais toute cette espèce de... d'univers bizarre là, qui est formé, puis c'est ça, ça m'avait vraiment beaucoup marqué, puis c'était un de mes films préférés en fait. On l'a réécouté ensemble, puis là j'ai beaucoup aimé mon expérience. J'étais déçu que tu l'aies pas aimé la première fois, mais bon, tu sais, je comprends que c'est pas un film qui est pour tout le monde. Puis là, on l'a réécouté ici, j'avoue que je l'ai trouvé moins énervé que dans mes souvenirs. Je l'ai trouvé moins compliqué à suivre que dans mes souvenirs aussi, puis peut-être même à la limite un peu plus, pas banal, mais très linéaire, très in your face d'une certaine façon. Puis là, je me suis demandé, parce que moi en fait, c'était dans mes films préférés, fait que ça c'est un 10 sur 10 là. Puis là, je me demandais, bon, est-ce que j'y donne un 9 sur 10, parce que tu sais, c'était le fun, on dirait qu'il m'a fait moins d'impact à ma troisième écoute, peut-être quatrième même. Puis là, je me suis questionné là-dessus, puis là, ben, ça fait une couple de jours qu'on l'a écouté, puis j'y pense encore et toujours, puis j'ai le goût d'écouter les bonus, puis j'ai le goût, fait que d'après moi, c'est un film que je vais garder quand même à 10, 10 sur 10, parce que c'est ça, je pense que c'est un film qui m'a très forgé, puis qui m'a aidé, je pense, à cerner qu'est-ce que j'aime ou qu'est-ce que j'aime pas dans, oui, les films de science-fiction, mais aussi dans le cinéma en général. Terry Gilliam, c'était pas un réalisateur que je connaissais beaucoup. J'ai vu l'Imaginarium du Docteur Parnassus parce que c'était le dernier film de Heath Ledger avant qu'il meure, donc ça m'avait marqué un peu, mais je savais pas, je pense pas que j'étais au courant que c'était le même réalisateur qui faisait ça. Donc non, Brazil, moi, c'est un film très marquant. Puis, c'est sûr, moi, je donne encore 10 sur 10, mais par contre, parce que là, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, mais on voulait voir c'est quel notre critérium préféré, donc on avait un top de nos critérions. Puis le seul film que j'ai donné 10 sur 10, en fait, c'est Le Silence des Agneaux. Puis, ça dépassera pas, en fait, mon appréciation du Silence des Agneaux, qui est un autre film que j'ai vu quand j'étais jeune, puis qui m'a beaucoup influencé. Donc, c'est les deux, c'est, en tout cas, les deux sont, ben, c'est mon top 2, en fait, des critérions. Mais je préfère encore un petit peu Silence of the Lambs que Brazil. Mais c'est un film que j'écouterais tout le temps, là, pour vrai. J'écouterais ça en bruit de fond, je montrerais ça à tout le monde. Brazil, puis la pochette, j'arrête pas de la tenir depuis le début de l'émission. Puis je l'aime vraiment, j'aime le visuel. Vraiment, là, c'est un de mes films favoris. Toi, quelle note tu y donnes finalement? Ben, c'est ça. Là, finalement, j'étais surprise de voir que j'y avais donné 7 la première fois alors que j'avais pas tant trippé, tu sais. Cette fois-ci, je vais le monter à 8, donc il va se classer là, avec mes 8. J'ai ouvert là, notre classement, justement. Tu sais, quand je regarde là, mon classement général, je pense pas que je peux le faire se placer à côté de mes 9, donc je vais y aller d'un 8. Mais bon, j'ai pas décidé où est-ce qu'il allait se placer, ouais, là-dedans. On le fera là, ça à la fin de la dizaine, certainement. Mon premier 8, c'est quand même un David Lean, fait que ouais. Je pense pas qu'il va le dépasser. Mais c'est ça, une belle deuxième expérience. Puis c'est le fun quand même, j'ai hâte que Tarkovsky me fasse ouais. Le même essai. Si jamais, là, on sait pas. Peut-être pas non plus. Il y a des réalisateurs qu'on n'est pas capable de. Ben, qu'on apprécie moins le genre. Tu sais, Terrence Malick, moi, c'est très hit or miss. Là. Il y a des films que je trouve ouais. Magnifiques, puis d'autres que je trouve vraiment plates. Fait que... On salue Antoine et les 40 premières minutes de Hidden Life. Qui, j'espère, va devenir un critérium. Si oui, je l'achète immédiatement. Donc, je terminerai en fait l'émission en mentionnant les références dans la culture populaire, parce que c'est ça, je l'ai dit en début d'émission. C'est un film qui a eu un certain cult following par la suite, qui est même peut-être plus... pas plus actuel,
actuelle, mais je sais pas, qu'on peut bien étudier maintenant avec du recul. À l'époque, il est sorti à une époque trouble, en tout cas, il est sorti à peu près en même temps que le fameux 1984, l'année, tout simplement, et non pas le roman, mais c'est ça, c'est une époque, tu sais, la guerre froide, il y a beaucoup de choses, c'était des périodes assez sombres. Là, avec un peu de recul, on peut voir que c'est un regard justement sur une société qui est début, milieu du capitalisme. Aujourd'hui, on voit les effets néfastes encore plus du capitalisme qu'à l'époque. Mais cette bureaucratie-là est devenue pas mal chose courante dans plusieurs des pays. Donc, il y a vraiment une plus-value à l'écouter aujourd'hui, je crois, qu'à l'époque. Mais c'est ça, c'est un film qui a influencé beaucoup de choses, mais qui a aussi été influencé par beaucoup de choses. On fait une référence notamment au cuirassé Potemkin de Sergei Eisenstein, la fameuse scène en fait du cuirassé dans quand une mère se fait tirer dessus, je crois, puis qu'elle échappe son carrosse dans des marches avec son enfant et tout. Là, je pense que c'est un robot qu'il y a dedans, je me souviens plus exactement, mais une belle référence que j'avais soulevée justement lors du visionnement. Plusieurs échos, évidemment, à Metropolis, qui est pas mal, probablement le gros film industriel d'expressionnisme allemand des années 20-30 de Fritz Lang. Il y a l'usage des tubes pneumatiques, fait référence à nous la liberté, que t'as pas vu, un autre Critérion de René Clair que j'ai vu, moi, ça fait un petit moment. On va pouvoir en parler, on le possède, c'est ça, je l'ai acheté à 15$ sur Amazon. Un bon film qui, en fait, Modern Times aurait copié donc ce film-là, mais un très bon film. Parlant de Modern Times, le robot qui suit les gens, ça c'est quand notamment la fille Jill s'adresse là, au bureau, tu sais, à l'espèce d'accueil là, dans l'entrée du ministère, puis il y a un petit robot qui est toujours là avec une espèce de bras qu'on comprend pas trop, puis il essaie, en tout cas ça c'est une référence à Modern Times, à l'espèce de robot justement qu'ils ont créé, puis qui rase la barbe ou qui te nourrit ou des affaires de même. Casablanca, bon, référence directe parce qu'on voit des échos du film, mais aussi cette espèce de... dans la construction aussi, je lisais une analyse là, qui disait que dans la construction, tu sais, dans Casablanca, on attend juste le moment où je me souviens plus du nom des personnages, mais Humphrey Bogart est comme un peu dans le système, tu sais, il y a un bar en fait, puis tu sais, il veut pas trop se mêler aux affaires de tout, même quand il y a des gens qui demandent de l'aide, puis c'est ça, il veut pas trop se mêler, mais tu sais, tout le long du film, on appréhende le moment où enfin il va les aider et tout. C'est un peu ça avec Sam Lurie aussi dans ce film-là, tu sais, on comprend qu'il fit pas non plus dans cet univers-là, mais il semble un peu réticent à vouloir s'en sortir jusqu'à temps qu'il décide une fois pour toutes de s'en sortir. 8,5 dans la scène d'ouverture avec les nuages et tout, ça fait référence à la même scène d'ouverture de 8,5 qu'on n'a pas vu, donc on peut pas juger. Alphaville, évidemment, dans les thématiques à explorer. The Good, the Bad and the Ugly, au sujet de la goutte de sang par terre, à un moment donné, avant de rentrer, je pense que c'est dans le bureau justement de Jack Lint, là, de Michael Palin. Avant de rentrer, là, il y a une goutte de sang à terre, puis là, il la regarde, puis il l'essuie un peu avec sa botte, puis ça laisse une trace de sang. C'est une référence directe à The Good, the Bad and the Ugly, où il y a la même situation qui se produit. Kagemusha, un film d'Akira Kurosawa, ça fait écho justement à l'espèce de samouraï qui le poursuit dans ses rêves. Le personnage, j'imagine que c'est qui est joué par Toshiro Mifune, mais je sais pas exactement, mais lui aussi est tourmenté dans ses rêves par un gros samouraï comme ça, donc une référence assez directe. Kagemusha d'ailleurs, un film des années 80 si je ne m'abuse, donc ça fait pas si longtemps non plus que le film est sorti. Star Wars 5, dans son rêve, il bat le samouraï, puis il se rend compte que sous le masque du samouraï, c'est son propre visage. Ben, ça fait référence à Star Wars 5, quand Luke, il rêve, puis qu'il enlève le visage, le casque de Darth Vader, puis c'est son propre visage qui est là. Et évidemment, 1984, le livre, le film, peu importe, parce qu'il y a un film, 1984, qui est sorti en 1984, qui est d'ailleurs un Critérion, mais il est numéro 1000 quelque chose, donc on le verra pas tout de suite, mais bon. Puis maintenant, qu'est-ce que ça l'a inspiré? Ben, ça l'a inspiré, on l'a dit, Batman, les décors, le Batman de Tim Burton, les décors évidemment, de Fisher King, un autre film de Terry Gilliam, qui est un Critérion, on a oublié de le mentionner en début d'émission, où on voit le poster du film dedans. La voiture de Sam,
Une espèce de... C'est pire que Mr. Bean, là. C'est vraiment... minuscule. C'est une place. Il n'y a pas de valise. C'est minuscule comme, comme voiture. C'est pire qu'une Smart. Ouais, exactement. Donc, cette voiture-là, on peut la conduire dans Grand Theft Auto 2. La bureaucratie aussi est abordée de façon similaire dans Futurama, évidemment. On reprend aussi la scène de la toilette dans Death at a Funeral. À un moment donné, Sam doit tenir la personne en chaise roulante pour qu'elle urine. Puis c'est Peter Vaughan qui joue d'ailleurs une autre personne en chaise roulante dans Death at a Funeral. Puis il y a un personnage qui doit l'élever puis l'amener aux toilettes. Donc c'est un écho direct. Dans Harry Potter 7, là c'est toute l'affaire de le ministère de la magie. On voit notamment comment il s'appelle, Yaxley, je crois, là, qui se promène dans les corridors, puis il y a toujours une horde de gens autour de lui qui parlent et tout, donc ça fait des petits échos à ça. C'est aussi le frère spirituel de The Zero Theorem que j'ai mentionné, dont j'ai mentionné l'existence un peu plus tôt. Puis dans Star Wars 8, quand ils vont au casino, je crois que c'est Finn et l'Asiatique, là, je me souviens plus de son nom, qui Rose, je crois, qui vont au casino, et puis là, ils pognent une étiquette, en fait, puis l'étiquette, c'est un 27B/6 qui est une référence lui-même à... Mais parlant de ça, justement, c'est une référence ça, à 1984, le roman, le numéro d'appartement du protagoniste en 1984, et le numéro 6 à l'adresse 27B. Au sixième étage, comme je pense. Comme de telle rue, là, mais c'est ça, c'est référence directe. Ça aussi. Puis, dernière petite référence, dans Ready Player One, évidemment, il fait référence à tout là-dedans, mais on reprend les noms, justement, de Tuttle et Laurie dans des, j'imagine, des avatars, je me souviens plus exactement. Il y a plein de, évidemment, il y a plein d'échos dans ce film-là. C'est une mine d'or, Ready Player One, là. Ouais. Un peu comme Wreck-It Ralph. Oui, exactement. Oui, beaucoup très auto, ben pas auto-référentiel, mais référentiel. Donc, c'est ce qui complète en fait notre émission sur Brésil. C'est une longue émission. Pas super. Dans nos standards, disons. Merci d'avoir été des nôtres pour cette semaine. Le prochain épisode va porter... après ça, on a le droit à un programme double d'Akira Kurosawa. Donc, dans un box set, d'ailleurs, de Criterion. Yojimbo et Sanjuro. Donc, deux film de samouraï avec Toshiro Mifune again. Grosse surprise. Donc voilà, merci d'avoir été des nôtres cette semaine, puis on se retrouve dans une prochaine émission. Salut!